Bonjour à tous, si comme moi vous désirez monitorer le système électrique de votre maison et savoir quel appareil est énergivore, je vous propose aujourd'hui cela pour moins de 15 euros. Ça vous intéresse? Restez connectés. Alors ce qu'on retrouve aujourd'hui, donc le montage final se compose de ces trois composants. À droite, vous voyez le SCT013 qui est une pince en périmétrique qui vient se brancher directement au récepteur qui est un shield pour le Wemos D1 mini. Donc pour ceux qui n'aiment pas les soudures, j'en connais quelques-uns, ça va les ravir. Tout ce que vous aurez à souder, ce sont les pattes du Wemos pour venir vous adapter sur le shield en lui-même et en question. Flashez le Wemos et ça sera prêt. Donc c'est un montage qui est, je vais dire, à la portée de tout bidouilleur. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver pour le montage? Donc, vous aurez le Wemos D1 mini que vous connaissez comme ceci. Ici, il arrive nu et donc il faudra souder les pattes pour venir s'adapter sur le shield. Ensuite, vous aurez à flasher le Wemos D1 Mini. On ne passera pas par Arduino IDE ou Platform.io, mais tout simplement par Node MCU Flasher qui vous permet simplement d'injecter un fichier BIN dans le Wemos via USB et vous simplifie la vie vraiment beaucoup. Donc, je ne vais pas reflasher le Wemos puisque j'en ai un qui est sous les yeux là, fonctionnel, mais je vais vous expliquer comment procéder. Donc je vous mets tous les liens dans la description pour télécharger Node MCU Flasher si vous ne l'avez pas. Je vous mets aussi le lien du fichier BIN du Wemos, mais vous retrouvez de toute façon tout cela sur le GitHub que vous voyez en arrière-plan. Donc pour le flash du Wemos, comment procéder? Branchez donc le Wemos par USB sur votre PC. On fait un refresh pour reloader les device list, les ports COM. Vous sélectionnez le port COM du Wemos. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à vérifier dans le gestionnaire de périphériques. Ensuite, vous récupérez le fichier BIN préalablement téléchargé. Aucune autre option à modifier. Il vous suffit ensuite de cliquer sur Flash Node MCU. C'est parti, le flash va se dérouler de 0 à 100%, donc un flash traditionnel. On reboot ensuite le Wemos. Et donc vous allez prendre votre smartphone pour venir le mettre sur votre réseau Wi-Fi. Pour cela, faites un scan des réseaux disponibles Wi-Fi sur votre smartphone. Vous devriez trouver quelque chose dans le style Wemos EM, tiret, et puis une suite de lettres et de chiffres qui représentent le Wemos qu'on vient de flasher. Pour vous y connecter, vous aurez besoin d'un mot de passe qui est Infinito Enmasala que vous retrouvez donc sur le GitHub. Ensuite, vous aurez juste à cliquer sur « Configure Wi-Fi ». Introduisez votre Wi-Fi SSID et Credentials. On met le password. On se connecte dessus pour rapatrier le Wemos sur votre réseau. Il vous suffira ensuite de récupérer l'adresse IP sur votre routeur. Oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'une fois pour arriver sur l'interface en fait que vous voyez ici au milieu, pour certains téléphones ça va apparaître tout seul, pour d'autres vous devriez lancer le navigateur et taper l'adresse 192.168.4.1. Une fois arrivé sur cette interface, vous configurez le Wi-Fi, ensuite vous vous connectez à l'interface du Wemos en récupérant l'adresse IP sur votre routeur. Une fois l'adresse IP récupérée, il demande un login et un mot de passe. Donc vous aurez un prompt comme ceci. Le login et le mot de passe se trouvent aussi sur le GitHub Wemos EM et Infinito and Masala pour le mot de passe. Une fois connecté, vous arriverez sur cette interface où vous avez la possibilité donc de configurer votre Wi-Fi si vous désirez modifier l'adresse IP, le gateway. Donc passer tout cela en statique au lieu de DHCP, le MQTT pour envoyer les informations, donc ça c'est ce qui va nous intéresser pour communiquer avec que ce soit Node-RED ou Home Assistant. Donc il vous suffira de connecter votre Wemos via MQTT à votre broker. La calibration, donc vous retrouvez la fiche de calibration ici dans le GitHub.
on retrouve donc le schéma. Donc ici, je prends le tableau, le Wemos alimente par GPIO le récepteur, donc en 3.3 volts. C'est un modèle SCT013-000 et donc le ICAL est à calibrer à 85.71. Ce qu'on voit ici, donc ici il le met au préalable. Ce n'est pas en rentrant 85.71 qui va se mettre sur la gauche. Donc pour la calibration, c'est déjà OK. J'ai rentré 85.71. IoT connexion, on n'y touche pas. Le système, si vous voulez modifier aussi, faire un update, un reboot, un reset factory, etc. Donc moi, ce que je vais vous montrer ici, c'est la consommation. Les watts sont donc à zéro. On va prendre une ampoule de 60 watts pour tester. Ça s'allume. On attend le refresh et l'update intervalle. Et voilà. L'update est fait. On arrive bien à 60.33. Ce que j'ai pu remarquer avec le module, c'est qu'en mettant une ampoule, une ampoule de 3 watts par exemple, la précision est beaucoup moins bonne. Donc il faut, je pense que ce module n'est pas prévu pour monitorer bon, une ampoule comme une prise connectée pourrait le faire, mais plutôt une ligne complète de prise ou carrément un compteur complet, puisque je vous le rappelle, le SCT013 vient se mettre sur le câble de la phase, sur vos disjoncteurs, disons directement dans le coffret. On peut trouver pour faire cela proprement des modules RIDIN, en fait des boîtiers RIDIN où on peut intégrer le tout. J'essaierai de vous mettre ça dans la description aussi. Donc vous voyez ici, je vais couper la lampe. On va attendre l'update. On passe de 56 watts à... Voilà, il redescend en 10 jusqu'à atteindre les 0 par la suite. Ce qu'on peut aussi voir pour Home Assistant par exemple, on peut intégrer ça via MQTT. Donc si vous avez l'Auto Discovery, il va apparaître tout seul. Si ce n'est pas le cas, il faudra créer vous-même vos sensors. Donc ça, pas de souci, dans le GitHub, il nous montre comment faire. Donc intégrer le sensor dans votre config.yaml ou directement dans votre fichier sensor.yaml. Pour l'update, pareil, on a, si on utilise Tasmota, on nous présente ici une automation pour mettre en place dans Home Assistant pour l'update. Si vous utilisez Blink et ThingSpeak, pareil aussi. Donc voilà, on a fait un peu le tour, on a la présentation de l'interface sur le GitHub. Je vous laisse découvrir tout cela, de toute façon le lien est dans la description. Donc une fois la remontée sous Home Assistant, donc on voit que l'actualisation des données s'est faite et je suis redescendu à 0 watts. Donc, je suis tombé par hasard sur ce module. Je trouvais le montage assez sympa, assez pratique. Surtout pas difficile à mettre en place. L'interface, elle fait le job. On a le signal Wi-Fi aussi, l'uptime. Vraiment, vraiment bien sympa. Donc si vous voulez commander et monitorer votre système, vous avez ici un module qui le fait. Il prend pas de place, contrairement à un PZEM qui va prendre beaucoup plus de place et se brancher sur le 230. L'inconvénient par contre, c'est que comme on n'est pas branché sur le 230, on doit calibrer le module pour le monitoring. Donc ici on le voit, le tableau est assez bien fait. En mettant 85.71, vous voyez que mon système, le watt, s'est éteint, je suis à zéro. Voilà, voilà pour la présentation de ce module. Si vous avez des questions, si vous avez des difficultés pour la mise en place ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à bientôt. Si vous avez liké cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets tous les liens dans la description pour les achats. Et je termine donc cette vidéo en vous remerciant si vous avez tout suivi.